C'est barbare. Là, derrière ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il est tué-moi. Il a vu son père et sa mère à tuer. Il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un coca zéro en train de boire. Je suis à un moment extrêmement difficile, je suis désolé, on a le cœur très lourd au sortir de cette projection. C'est une atteinte à l'humanité tout entière qui est la nôtre, qu'on a vue dans cette salle de projection. Qui sont dans la jouissance du massacre, c'est ça qui est le plus révoltant et que certains remettent en cause ce qui s'est passé. Que certains relativisent, je trouve ça à vomir. Voilà, à vomir. Notre rôle comme député, c'est de témoigner de la vérité de ces images et de dire que dans ce conflit, on n'est pas dans une guerre avec un peuple contre un autre. On est dans un acte terroriste qui est heureux de détruire l'autre, qui le fait avec joie et qu'il le fait sans que l'autre ne puisse à aucun moment se défendre. Parce que c'était un moment très difficile mais très nécessaire face à tous les relativismes et face à tous les risques d'oubli. Et je crois que chacun de ceux qui ont vu cette vidéo ne pourront plus, du moins pendant un long moment, dormir en paix. Voilà.